On a tous dans le cœur une chanson de Laurent Voulzy. Pour moi, il est le troubadour du Moyen-Âge, mais qui aujourd'hui réenchante le monde par ses chansons. J'ai le cœur grenadine. C'est en 1979 que Laurent Voulzy sort son premier album, Le cœur grenadine. La chanson est un hommage à sa mère, qui avait quitté la Guadeloupe pour tenter de devenir chanteuse et danseuse à Paris. Laurent Voulzy s'est toujours destiné à la chanson. À 14 ans, il monte son premier groupe. Et à 25 ans, il fait sa première télé avec « Ça sera bien ». En 1974, il commence sa collaboration avec Alain Souchon. J'ai 10 ans. C'est en écrivant des mélodies pour lui, notamment celle de « J'ai 10 ans », qu'il se fait d'abord connaître. Et les Beach Boys chantent. Son premier grand succès en tant qu'interprète est Rock Collection, un hommage aux tubes anglo-saxons qui ont marqué sa jeunesse. Ce sera le tube de l'été 77. Belle île en mer. Laurent Voulzy, c'est ensuite le chanteur de Belle île en mer, élu quelques années plus tard, lors des Victoires de la musique, meilleure chanson des années 80. En 1993, pour la première fois seul en scène, il fait un véritable triomphe au Casino de Paris. La même année, il reprend son titre fétiche, Le cœur grenadine, en duo avec Véronique Rivière dans l'émission Taratata. En 2012, Laurent Voulzy se lance dans une tournée de 70 dates. Deux ans plus tard, il sort un album avec Alain Souchon qui sera récompensé au Globe de Cristal. Laurent Voulzy a su trouver au fil des ans une place dans le cœur des Français. Un artiste des îles devenu une icône de la chanson française qui a su métisser les sonorités.